Kucho. Ong ជំនួយប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការនិងដល់វិទ្យាការជូនទៅក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណុំដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Mivoun, nous nous sommes arrêtés avant la pause déjeuner au moment où Tasung vous demande de le rejoindre pour que vous alliez ensemble à Phnom Penh. Je voudrais maintenant m'attarder quelques instants sur la réunion que vous avez évoquée le 4 octobre dernier entre 14h04 et 14h06 avec Pol Pot, si j'ai bien compris, à Phnom Penh, plus précisément, à Wat Unalom. Vous avez assisté à une réunion, et je cite l'extrait de l'audience du 4 octobre. Voilà ce que vous aviez dit. Quand j'ai quitté Koh Kong et que je suis arrivé à Phnom Penh, M. Tasung était là. Il était secrétaire de division. Et ensuite, nous avons rencontré Pol Pot au Wat Unalom. On vous pose la question suivante. Y avait-il juste vous-même et Tasung? Ou bien, est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes lorsque vous avez rencontré Pol Pot? Votre réponse a été la suivante. J'ai rencontré les commandants d'autres divisions, mais je ne savais pas qui était qui. Au total, il y avait une douzaine de personnes environ. Ma question est la suivante. Est-ce que tous ces commandants d'autres divisions venaient à cette réunion parce qu'ils avaient, comme vous, de nouvelles affectations, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Sướng chôn của lại lục bột bột nấu vật là lóng không nóng cứ miên tệ lục bột bột mà nó anh tế chôn phía nó khiêm khơi can chế phá hai thế vậy khi mình qua khi nó bà loa tế can tế phá hai chế đầm nang con bột Xem nó tam phẩm đèn càng cất để mà chụp chùm nó cái này vật na lòng nó đài về là chụp chùm nó Pol Pot miền phan tì muối tiếng đã chụp nâng chân chàng hơi rầm quạt cất muối cất chân ol phan tì đạp nhóm hay là nghe nãy đại nô không chấm nom luôn. Tầm bốn cái này dễ bị riêng sự việc cả. Không mang nó tam phẩm đèn hàng cất để miền ca vay cái ní khăng một thiôm cái lạnh khác vay khăng cái lạnh khác vay một thiôm cái lạnh khác gần tại tu bị rập bỏ tam phẩm đèn hàng cất โครงการก็จะเพียงอลแผนตีปรับปีกันแรงแต่นี้ต้องกันแรงแต่นู้นลองแผนตีนั้งพอให้จีพอจะปีมองเป็นนั่งเตะปีสิบเก้าขึ้นมาโน้ให้ก็กิจการยังนั้งก็บรรจบอย่างฉับได้ให้บานจงกระไรบุ๋มพด
ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តទៅប្រាប់វិហារទៅតែមើលកន្លែងប្រាប់វិហារទៅគេចាប់ឬថាគេចាប់ជីជនឬក៏ជីជនអត់បាយអីនោះគាត់ថាទៅមើលគាត់ហើយនឹងក្តាប់ស្ថានភាពកន្លែងនោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគាត់មិនប្រាប់ថាឲ្យរាយការណ៍ទេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយថាគាត់ប្រាប់ថាទៅមើលដឹកនាំក្តាប់វិការកន្លែងនោះខ្ញុំក៏យល់បានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ D'accord, je vous remercie de ces précisions. Donc si je comprends bien, cette réunion a eu lieu en deux temps. D'abord, la réunion avec les autres commandants de division où on vous parle de la situation militaire du pays. Et dans un deuxième temps, il y a un entretien où vous êtes seulement avec Pol Pot et Tasson, où on vous parle de votre mission particulière. Est-ce que j'ai bien compris? Quand Pol Pot vous parle de cette mission d'enquête à prévenir, est-ce qu'il vous dit combien de temps vous devez rester là-bas? ពេលណាហើយលោកប៉ុលពតមានប្រាប់លោកថាទៅព្រះវិហារនោះសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឬប្រហែលខែមិនចាំទេបាទគាត់មិនបានប្រាប់ថាទៅប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃនោះទេគាត់ប្រាប់ថាឲ្យទៅបាទមិនប្រាប់បញ្ជាក់ថាប្រហែលថ្ងៃគឺអត់មានប្រាប់បញ្ជាក់ទេគាត់គ្រាន់តែថាឲ្យទៅពេលដែលខ្ញុំទៅនោះទៅដំណាក់នៅស៊ីមរៀបទៅ Je voudrais m'arrêter encore quelques instants sur cette réunion à Phnom Penh. Quand Pol Pot vous explique la situation de Prévihir en vous disant que il y a des gens arrêtés et qu'il y a des gens qui ont faim. Est-ce que lorsqu'il vous présente la situation, il a l'air d'avoir tous les détails ou il vous demande précisément de savoir exactement ce qu'il en est? Je précise ma question. Quand il vous donne cette mission, est-ce qu'il vous indique que la situation n'est pas normale et qu'il veut savoir pourquoi? បាទគាត់មិនមានឯកសារណាដែលមកអានប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់នោះទេគាត់និយាយតែមាត់ទទេទេនិយាយប្រាប់តែមាត់ទទេតែគាត់នឹងទទួលផែនការឬក៏រាយការណ៍ពីណាមុនមកកំដឹងខ្ញុំអត់បានដឹងដែរគាត់ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹង Vous avez indiqué il y a peu de temps que Pol Pot ne vous demande pas de lui faire rapport. Ma question, compte tenu de la nature de votre mission, n'est-il pas logique qu'une fois que vous avez fini votre enquête après un vieillir, vous lui fassiez rapport au sujet d'une mission qu'il vous a personnellement confiée? Est-ce que ce n'est pas comme ça que vous avez compris les choses? Thank you, Mr. President. For the second time now, my learned friend is using the term investigation mission in prayer here. The witness has not used those words and has not thus far
said that he was sent by Pol Pot to investigate. Certainly, there is, he has indicated that Pol Pot talked about the situation in the north, but the witness has not said that he was sent on an investigation mission. And so I would just kindly ask that my friend be a little bit more pointed and precise in her questions. Monsieur Mivon, vous venez d'entendre les explications de Monsieur le co-procureur. Quel était exactement l'objet de la mission qui vous a été confiée par Pol Pot ce jour-là? À l'audience du 4 octobre à 14h08, voilà la question qui vous a été posée. Question: qu'avez-vous été chargé de faire à Prévihir? Pourquoi deviez-vous y aller? Réponse: tout d'abord, il a demandé à Tasong d'aller à Siem Reap pour enquêter sur l'emprisonnement de certaines personnes. Ma propre tâche dans la province de Prévihir était d'enquêter sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes pour déterminer si tel était bien le cas. En plus de cela, j'ai été chargé de m'occuper de l'envoi de marchandises vers Prévihir et plus précisément de vérifier si ces objets étaient arrivés à destination. Donc, ma première question: est-il exact donc que vous étiez chargé d'enquêter à Prévihir? ដោយសារតែតាសឿងនឹងគាត់ប្រធានទៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជាក់ជាមួយតាសឿងហើយកន្លែងនឹងដែលមានការផ្ទុះភ័យច្រើនដែរហើយចំណែកតែដឹងសភាពការនោះហើយខ្ញុំមិនបានរាយការណ៍មកដែរតាប៉ុលពតទេដោយសារតែតាសឿងនឹងគាត់ប្រធានទៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជាក់ជាមួយតាសឿងហើយក៏តាសឿងគាត់អាចនឹងមកមើលផ្ទាល់នឹងកន្លែងនោះដែរដូច្នេះបើសិនណាជាការរាយការណ៍ផ្ទាល់ប្រហែលជាតាសឿងតំណាងឲ្យសេចក្តី
Répondant hier à une question de Monsieur le juge Lavergne sur la situation à Prévillers, vous avez évoqué une visite que vous avez faite à un entrepôt où vous avez trouvé des moustiquaires et des couvertures rongées par les termites. Ma question est de savoir si ces couvertures et ces moustiquaires faisaient partie du matériel dont vous avez demandé de vérifier s'il était bien arrivé à destination. Et si j'ai bien compris, ce matériel avait été envoyé par Phnom Penh. ខែម្ដងនេះគាត់ដាក់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេដឹកជញ្ជូនយកទៅឲ្យខាងប្រជាជនប្រាវហៀរហ្នឹងមុនដែលខ្ញុំទៅទាំងអស់ទាំងកណាត់ទាំងមុងទាំងភួយទាំងបិលស្ករសអ្វីទាំងអស់ដែលសម្រាប់ប្រជាជននៅកន្លែងនោះដែលពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងអត់បានដឹកស្អីទៅទេខ្ញុំទៅតែខ្លួនតែទេតា Je vous remercie. Vous aviez évoqué une réunion qui s'est tenue à Siem Reap, au cours de laquelle Ta Song a été désigné comme responsable de la nouvelle zone nord. Ma question par rapport à la séquence des événements est de savoir à quel moment s'est déroulée cette réunion. Après la réunion à Phnom Penh avec Pol Pot, បាទការប្រជុំនៅសៀមរាបនឹងមានតែសឿងតមុកតាប៉ុលពតតែប្រហែលជាម៉ោង Ma question est de savoir maintenant, quand vous avez quitté Pol Pot après la réunion à Phnom Penh, vous êtes allé directement à Siem Reap? បាទប្រជុំហើយភ្លាមចាប់ដើមរៀបចំចេញទៅតែម្ដង Une dernière précision sur cette réunion à Phnom Penh avec Pol Pot. Est-ce que Pol Pot a évoqué le cas de l'arrestation de la famille, de la belle famille de Khieu Samphan ce jour-là? Est-ce qu'il l'a évoqué avec vous? Donc, vous quittez Phnom Penh, vous allez directement à Siem Reap. À quel moment a lieu la réunion au cours de laquelle Ta Song est réuni? Est-ce que c'est avant ou après la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan? Bah.
ការប្រជុំមុនហើយបានដោះលែងក្រោយក្នុងរយៈប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំ Je voudrais évoquer avec vous votre déclaration E3-4-2-4 et plus précisément la question-réponse numéro 11 dans laquelle vous évoquez cette réunion. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais pouvoir afficher cette partie de la déclaration. ORN en français 00455270. ORN Khmer 00418521. ORN en anglais 00421072. Mais je viens de réaliser que dans la mesure où les questions sont numérotées, je vais peut-être éviter cet exercice fastidieux pour la suite. Monsieur le témoin, je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà ce que vous avez expliqué dans votre déclaration. Alors, vous parlez, je vais tout citer, ça va être plus simple. Au cours d'une réunion organisée à Siem Reap, il y avait Tapol Pot, Tamok, Tassé et Tassong. Moi, je n'y ai pas participé. Suite à la réunion, Tassong m'a dit qu'il s'agissait d'un changement de chef militaire et de responsable de la zone nord. À propos de cela, Tassong a été nommé chef de la nouvelle zone nord de la province de Siem Reap. Pour ma part, j'ai été désigné pour diriger la région 103 de la province de Phi Vih Hier. Ma question est la suivante. À quel moment est-ce que Tassong vous explique que vous êtes désigné pour diriger la région 103? Bah, non, pile de ta sương prichum rui hai nu, pile sai lang, ban ta sương prap yom, ta ai kim tau ta tool, ta ban maroi bay, hai ko knong nung. Cắt bắp ở kim tàu, ở kim dọc đăng lâu tàu, cắt chun nhóm tàu đà là sọc ra viên. Ông kia là bị chung hai em lộn bằng ngày, bà. D'accord. Donc, au moment où il vous accompagne, est-ce que vous savez où vous êtes désigné comme responsable de la région 103? Et quelle fonction deviez-vous exercer au secteur 103? បាទគាត់បានប្រាប់ថាជាមុខងារអ្វីបាទតើតានបានប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាឲ្យទៅទទួលយ៉ាងហ្មងអត់ថាត្រូវទទួលធ្វើជាប្រធានតំបន់103ឬក៏
Quand avez-vous su que telles allaient être vos fonctions? Est-ce que je dois comprendre que vous avez compris que vous étiez le responsable de la région 103 en janvier 79? Je pense qu'on a un petit problème de compréhension. La réunion à Siem Reap, au cours de laquelle Tasson a été nommé chef de la nouvelle zone nord, responsable de la nouvelle zone nord, à quand la situez-vous exactement? D'accord, donc nous sommes au mois d'août 78 et vous arrivez à Privihir dans le secteur 103. Comment est-ce que vous vous présentez à la population là-bas? Sous quelle casquette? ខ្ញុំចិត្តដែលធ្វើការតាមក្តាប់ពីការមើលតាមស្រុកអញ្ចឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំគេអត់ប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំចិត្តស្អីក៏ខ្ញុំអត់បានប្រកាសប្រាប់គេដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាមកសើការមកចង់ដឹងពីការរស់នៅហើយចង់ដឹងពីរបស់របរដែលគេដឹកជញ្ជូនមកឲ្យជីជនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដែលប្រកាសខ្លួនខ្ញុំថាឈ្មោះជាស្អីថាខ្ញុំអត់បានប្រកាសប្រាប់គេទេ D'accord. Une fois que vous avez enquêté sur la situation et les fournitures, est-ce que vous êtes retourné à Siem Reap pour en faire rapport à Tasson? Tasson,
D'accord. Donc, il est venu, c'est lui qui est venu. Combien de temps après votre arrivée à Privihir, Tasung est-il venu? Et cette journée au cours de laquelle il est venu pour obtenir votre rapport, elle est intervenue combien de temps après votre arrivée à vous à Privihir? Ça faisait combien de temps que vous étiez là? Quelques jours, une semaine, un mois? Combien de temps? Je vous remercie de cette précision. Maintenant, je voudrais en revenir à la question de la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan. Lorsque vous avez été interrogé sur la question le 4 octobre, un petit peu avant 14h30, vous avez indiqué, après l'avoir fait libérer, je suis reparti à Privihir. J'ignore ce qui s'est passé là-bas après mon départ. Ma question est de savoir si la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan a eu lieu avant que vous arriviez à prévenir faire votre enquête, ou est-ce qu'elle est intervenue ultérieurement? D'accord. Dans votre déclaration E3 barre 4 de 4, avec l'autorisation pardon, de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Il s'agit de la question numéro 20, question et réponse 20. Voilà la question qui vous est posée ce jour-là. Quelle a été la personne qui a libéré la belle-sœur aînée de Khieu Samphan, qui s'appelait Yit, et qui a été emprisonnée dans le centre de sécurité de la province de Siem Reap? Réponse. C'était Tasung qui est allé la voir et qui a donné l'ordre de la libérer. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est vous
ou est-ce que c'est ta son qui est allé la voir et l'avait libérée? បាទមុននឹងតាសឿងគាត់ដោះទៅមុនបងតាមុនបងមិនតាន់ទៅដោះទេគាត់ទៅតែម្នាក់ទំនងជាមួយនឹងមានកន្លែងយោធាដែលគាត់ត្រូវស្គាល់នឹងហើយបានគាត់ទៅស៊ើបមើលស៊ើបមើលហើយបានត្រូវដោះលែងដោះលែងតែបងថ្លៃលោកខេសំផនហ្នឹង Au cours de votre déposition, vous indiquez avoir reçu un télégramme de Kyo Sampan vous demandant de lui faire un rapport sur la situation de sa belle famille. Vous avez indiqué à l'audience du 4 octobre à 14h14, répondant à une question de M. le coprocureur, que vous ne vous souveniez plus de la date exacte, mais que ce télégramme a été envoyé une fois. Et qu'il vous a, alors je vous cite, il m'a envoyé un télégramme demandant de faire rapport en indiquant si nous avions vu des membres de sa famille, par exemple ses oncles. Ma question est la suivante. Lorsque vous recevez ce télégramme, à quel endroit exactement êtes-vous? Et si je comprends bien votre déposition, si Kyo Sampan vous a adressé ce télégramme, c'est qu'il ne savait pas dans quelle situation était sa belle famille dans la région 103. Est-ce que j'ai bien compris? We object, Your Honours. Counsel is asking the witness to speculate as to the state of mind of Mr. Kyo Sampan in December 1978, or in the event at the time when the witness was in Preah Vihear. Monsieur le témoin, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que dans ce télégramme que vous dites avoir reçu, M. Kyo Sampan demande si vous avez vu des membres de sa famille? À l'audience du 4 octobre, entre 14h15 et 14h18, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, voilà ce que vous dites au sujet de ce télégramme de Kyo Sampan. Je vous cite. Il m'a juste donné instruction de m'occuper du bien-être des membres de sa famille et de voir s'ils étaient en difficulté. Le cas échéant, il fallait les envoyer à Phnom Penh. À l'époque, la situation était chaotique. Le contact s'était perdu avec eux. Ma question est donc la suivante. Lorsque vous recevez ce message de Kyo Sampan, est-ce que vous comprenez qu'il ne sait pas
ce qu'il est advenu de sa famille et qu'il vous demande de savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est ça que vous comprenez ou est-ce que vous comprenez autre chose? Vous venez de m'indiquer que lorsque vous avez reçu ce télégramme, vous étiez à Prévihir. Est-ce que l'endroit où vous recevez ce télégramme et le bureau des télégrammes que vous avez évoqué lors de votre déposition, dans lequel travaillaient Oi et Ol, est-ce que c'est à ce bureau-là que vous auriez reçu le télégramme? D'accord. À l'audience du 4 octobre, toujours, cette fois-ci à 14h24, voilà ce que vous avez indiqué. Je lui ai fait rapport une seule fois sur la situation de ses beaux-parents et sur la situation de famine. Je lui ai aussi fait rapport sur la situation de ses beaux-parents. Ça a été la seule fois que je lui ai envoyé un rapport. Par la suite, il y a eu des attaques menées sur la route par des soldats vietnamiens et du coup, nous avons contact. Par ailleurs, répondant à une question de l'avocat des parties civiles, vous avez également indiqué hier, c'était entre 9h38 et 9h42, qu'il y avait des problèmes de communication. Je vous cite exactement. C'était la seule partie du rapport que j'avais rédigé. Il n'y a pas eu d'autres rapports, car nous n'avons plus eu de communication, car les Vietnamiens nous ont attaqués, ce qui a coupé les lignes de téléphone. Enfin, répondant à une question de M. le juge Lavergne, toujours hier, vous avez confirmé qu'entre août 78 et janvier 79, il n'était pas possible de communiquer avec nous parce que, et là je vous cite, à 14h41, les deux lignes télégraphiques n'arrivaient pas à se rejoindre. Au vu de ces déclarations, ma question est la suivante. Est-ce que la machine télégraphique dont vous avez évoqué les problèmes était celle qui était gérée par Oi et Ol? Est-ce que c'est bien de cette machine que vous parlez? Est-ce que ce sont ces deux employés en charge des télégrammes, Oi et Ol, qui vous ont expliqué qu'il y avait un problème de communication avec Phnom Penh? Trong chừng đó có một miền càng ấy có làm số cái khung khăn có đó khi ông tàu đó làm hậu dù mà xua xạ máu rồi có chết nhớ nhớ rồi ở lại ấy có
Et quand vous leur avez fait cette demande, que vous ont-ils répondu? Dans votre déclaration aux trois barres 4 de 4, à la question-réponse numéro 13, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Donc, lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau d'écoge instruction, voilà ce que vous dites. J'ai fait un rapport à Kyo Sampan par télégramme. J'ai rédigé le rapport sur un bout de papier tout en mettant mon nom et la région 103 pour qu'il soit à être envoyé par la suite à Kyo Sampan. Ensuite, j'ai ordonné au nommé Hol et au nommé Hoy de dactylographier le télégramme afin de l'expédier. La question est la suivante. Est-ce que vous savez si ce rapport que vous avez confié à Hoy et Hol pour être dactylographié, est-ce que vous savez si il a pu effectivement être envoyé, compte tenu de ce que vous avez indiqué sur les problèmes de communication? D'accord. Je voudrais poursuivre sur votre déclaration E3-4-2-4, toujours devant les mêmes enquêteurs. Et là, cette fois-ci, c'est la question-réponse 18. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Répondant à la question suivante, pour quelle raison est-ce que vous avez été obligé de faire rapport à Kyo Sampan et sur quel sujet est-ce qu'on vous a demandé de lui rendre compte? Alors je précise que je sais qu'en Khmer, le pluriel et le singulier, ce n'est pas toujours simple à traduire. Donc je précise que c'est au pluriel. Voilà votre réponse. Parce qu'il y a eu un télégramme de Kyo Sampan qui m'a été envoyé et qui a demandé expressément que je lui fasse un rapport lorsqu'un événement devait survenir. Il fallait lui faire un rapport. Et là, c'est ce qui est noté dans votre réponse aux enquêteurs, le contenu des rapports au pluriel porte sur les conditions de vie des habitants dans la coopérative. Je vais m'arrêter pour le moment. Quand on lit cette réponse aux enquêteurs du bureau des coaches d'instruction, on comprend que vous avez adressé plusieurs rapports. Par rapport à ce que vous avez indiqué ultérieurement
et hier et confirmé aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez préciser si vous avez effectivement adressé plusieurs rapports ou si finalement vous avez tenté d'en envoyer un sans succès? Est-ce que vous pouvez précisément répondre? ក៏បានបញ្ជាក់តិចពីរឿងប្រជាជនដែរតើប្រជាជនមានប្រមាណហើយមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏ចោះក៏សរសេរប្រាប់គាត់មកវិញសេកប្រាប់គាត់មកវិញរាយការណ៍ប្រាប់គាត់មកវិញអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ប្អូនរបស់គាត់និងសភាពប្រជាជនការអត់ឃ្លានយ៉ាងម៉េចខ្លីៗ Vous venez de m'indiquer il y a quelques minutes que vous avez fait effectivement ce rapport, que vous l'avez donné à Œil et Ol, et que eux vous ont dit que ce n'était pas possible de l'envoyer parce qu'il y avait des problèmes de communication. Est-ce que vous maintenez cela? ไว้ตัวบ้านคลาสได้คลาสตามเนี่ยบอกแปรนั้นก็ผลแต่ก็ตัวบ้านหรือมันบ้านอันนั้นก็อดเคยช่วยตอบสารนั้นก็ตุกย่อมตุกนู่นก็เลยช่วยวิ่งคลาสมันนั่งจะก็ตัวบ้านประมาณอันนั้นก็บ้านก็อดบ้านตอบมาช่วยได้ Je vous remercie pour ces précisions. J'en reviens maintenant à vos fonctions au sein de la région 103. À quel moment donc avez-vous appris que vous étiez nommé par ta soeur responsable de la région 103. ខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃទេហើយគាត់ឲ្យខណ្ឌតទទួលតំបន់103ឯតែប្រធានអនុគាត់អត់បានប្រាប់រហូតដល់យូនវ៉ៃចូលស្រុកខ្មែរ Je pense que nous avons un problème de compréhension. Est-ce que vous confirmez que Ta Song avait été désigné lors de la réunion de Siem Reap comme responsable de la nouvelle zone nord? គាត់ទៅទទួលហ្នឹងគឺទៅទទួលភូមិតំបន់សៀមរាបហ្នឹងតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ទទួលភូមិភាគហ្នឹងគាត់អត់បានតាន់ប្រាប់នៅឡើយទេភូមិភាគថ្មីហ្នឹងគឺគាត់អត់បានប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំថាអូខ្ញុំទទួលភូមិភាគថ្មីគាត់អត់បានប្រាប់ខ្ញុំទេគាត់បានតែទទួលតែតំបន់ប្រៅហៀអានៅតំបន់សៀមរាបប៉ុណ្ណឹងនៅឡើយ
Il n'y avait pas eu de déclaration officielle, mais vous, vous le saviez, n'est-ce pas, puisque c'est vous qui avez indiqué dans votre déclaration aux enquêteurs qu'il était responsable de la nouvelle zone nord. ខ្ញុំខន្តយល់ខ្ញុំថាប្រហែលប្រហែលជាគាត់ថាទទួលអញ្ចឹងមែនហើយវាព្រោះបាទត្រូវគាត់ទៅទទួលកន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់ថាត្រូវដកកងពលមួយចេញកងពលណាទៅគាត់តែមកក៏ដកកងពលនៅដល់ចេញហើយគាត់ទទួលកងពលហ្នឹងហើយនឹងក្នុងភូមិហ្នឹងខ្ញុំគាត់បានយល់អញ្ចឹងទេការផ្លាស់ប្ដូរកងទ័ពហ្នឹងណា Et vous-même, Monsieur Mevon, à la région 103, est-ce que vous êtes arrivé avec des hommes, des soldats à vous? Bah, j'ai tout compté, j'ai pas fait d'abnet tout du moins. Et est-ce que vous aviez des tâches militaires à accomplir dans cette région 103? Bah, dans le pays nous, admin quand top, quand vous payez, puis le cas quand vous tirez, j'ai mal ban, vous payez des galères nous. Donc les gens bon cas, nous j'ai mal ban là, tao, admin quand top, admin ấy, nhưng tao tại bất đạo nhà lắm. Et pendant ces quatre mois, qu'avez-vous exactement fait au sein de la région 103? បាទខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើទៅផ្ទះហើយនឹងដើរអប់រំប្រជុំប្រជាជនទៅតាមស្រុកហើយនៅតាមហ្នឹងហើយនៅតាមស្រុកខ្លះដែលអាចដើរទៅដល់ស្រុកខ្លះមិនទាន់ដើរដល់គ្រប់ស្រុកនៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្លូវវាឆ្ងាយដើរមិនទាន់បានគ្រប់ស្រុកផង Vous avez indiqué avoir reçu une fois la visite de Tasong pendant une journée au cours de laquelle vous avez effectué votre rapport sur la situation à Prihvihir. Et hier, répondant à une question de Monsieur le juge Lavergne, vous avez indiqué que Tasong était présent chez vous lorsque vous avez entendu une émission sur Voice of America parlant de l'entrée des Vietnamiens dans Phnom Penh. Il y a quelques minutes, vous avez indiqué que vous avez eu une première visite de Tasong une semaine après votre arrivée à Prihvihir. Et si l'on parle de l'entrée des Vietnamiens à Phnom Penh, c'est janvier 79, en tout cas, pas avant fin 78. Est-ce qu'il est juste de conclure qu'il y a eu deux visites de Tasong à Prihvihir? បាទឥឡូវមុនគាត់ជូនខ្ញុំមកម្ដងអានឹងដែលខ្ញុំប្រាប់លោកម្ដងដែលជូនខ្ញុំមកដល់ហើយមិនគាត់ទៅវិញគាត់ទៅវិញក្រោយមកទៀតមកបានគាត់មកម្ដងទៀត ពីរ ដង ខ្ញុំ ដឹង ថា 2 ដង តែគាត់មកជួបខ្ញុំនឹងកន្លែងផ្ទះរវាងនឹងពីរដងពីរដងហ្នឹងទទួលមានស្ពាកាព្រំដែនវានេះវាក្តៅដែរហើយតាមមើលបានគាត់មកម្ដងទៀតហ្នឹងពេលនោះហើយដែលខ្ញុំរៀបការប្រាប់គាត់ខ្លះ
Et donc, lorsque hier vous évoquiez les missions Voice of America, au cours de laquelle vous auriez entendu l'entrée des Vietnamiens à Phnom Penh, à quand situez-vous cette émission? Et combien de temps après cette émission êtes-vous parti de Prévihir? J'ai bien compris ce point-là. Ma question est de savoir combien de temps après cette émission avez-vous quitté Prévihir définitivement. Hier, répondant aux questions de Monsieur le juge Lavergne et également des parties civiles, vous avez confirmé ce que vous aviez dit dans vos déclarations antérieures, à savoir que vous n'aviez vu ni Nguyen Chuy An ni Khieu Samphan pendant toute la durée de votre séjour à Prévihir. Si je comprends bien, pendant la durée de vos fonctions au sein de la région 103, le seul supérieur hiérarchique que vous avez vu, c'est Ta Song. C'est bien ça. J'en viens maintenant à un autre point, toujours au sujet de la région 103. Est-ce que vous confirmez que la région 103 faisait partie de la nouvelle zone nord? ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នោះខ្ញុំមិនដឹងទេវត្តខ្ញុំប្រាប់ថាតំបន់នោះតំបន់ស្វាយ័តហើយក្នុងភូមិភាគដខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ថាភូមិភាគដទេហើយដឹងថាតំបន់ស្វាយ័តគ្រប់គ្រងដោយលោកនាមជាគេសំផនដូច្នេះក្នុងតំបន់ភូមិភាគដនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនច្បាស់កន្លែងនោះទេ
Effectivement, et là je vais citer... je ne sais pas, Monsieur le Président, si c'est le moment de marquer la pause, que je souhaiterais présenter un document, enfin un extrait toujours de la déclaration au témoin. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que je dois attendre la fin de la pause? Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je souhaiterais que l'on puisse montrer à Monsieur le témoin la partie de sa déclaration, question et réponse numéro 10, sur le document E3-4-2-4. Voilà ce que vous avez indiqué lors de votre entretien avec les enquêteurs. La question qui vous est posée est la suivante. Pour quelles raisons est-ce que la hiérarchie vous a muté à la province Privihir? Votre réponse? Parce que la région Privihir était une région autonome qui était dirigée directement par le comité central. Taran Chia et Takyo Sampan descendaient en personne dans cette région. Répondant à une question de Monsieur le coprocureur, vous avez indiqué que la raison pour laquelle vous saviez que Taran Chia et Takyo Sampan étaient descendus dans cette région, c'est que vous aviez vu des photos dans le bureau de Telegram. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition à l'audience? Donc, et je terminerai sur ce point. Ce n'est pas dans le bureau de Oi et Tol que vous avez vu la photo de Kyo Sampan, c'est bien ça? សូមកោតឈរ